bonne la crêpe? Bon, ça y est, on est rentré avec Cara. On est allé se promener au Cap d'Antibes avec, avec des amis que j'avais pas vu depuis. Qu'est-ce que c'est là? Qu'est-ce que t'as touché? T'as fait des bêtises? Qu'est-ce que c'est? Ouais. Donc je disais, ouais, on est parti se promener au Cap d'Antibes. Là, je suis rentrée. Ce matin, j'ai fait nettoyer mon canapé, mon grand tapis blanc, parce que ça fait un petit moment que je l'avais pas ressorti. Et également mon matelas. Franchement, j'ai fait une pierre trois coups, pour le coup. Alors déjà, si quelqu'un cherche quelqu'un pour nettoyer tout ce qui est tapis, matelas et canapé, bah, je vous la conseille, parce que vraiment, elle est top. Et en plus, elle est pas chère. Comparé à d'autres prix que j'ai vus qui étaient le double au moins, voire plus. Et pour la petite histoire, je me suis trompée, je lui ai donné 100 euros en trop. Et ben, mais j'aurais jamais capté que je lui avais donné de l'argent en plus parce que je sais pas, j'ai mal compté. Et elle m'a envoyé un message pour me les rendre. Franchement, bon, ça, normalement c'est normal, mais je vous jure, ça me. Maintenant, dans notre monde actuel, je trouve ça super réglo. Donc voilà, en plus d'être professionnelle et de faire du bon travail, bah en plus elle est honnête. Donc voilà. Ok, ceci est pour l'ouverture d'un petit débat. Je sais pas si vous regardez Ginny.